Enlève ton masque, frère, je vais te mettre un coup. Retournez-vous, retournez-vous, et dès que j'enlève mon masque, je vous retournez, vous me regardez. Vas-y, 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 vas-y. T'es prêt? Attends. Recule, recule, recule. Regarde, recule. Regardez la mort, là, y'a plus rien à faire. Nous a dit la plata ou le fer. On rêvait du million, on rêvait du rolo. Bientôt la promenade avec roi numéro. Nos cœurs répondent plus pulsation à zéro. Paradis ou enfer, c'est la question de trop. Hey. Nous de la ville, on a fait le tour. Revendeur de guitare, on a reçu les jours. Là où les boyos m'entourent. Je vais finir en prison sans les revoir un jour. Là où les boyos m'entourent. Je vais finir en prison sans les revoir un jour. Nous de la ville on a fait le tour. Revendeur des guitares. Sauf la madre. J'ai vu ce qu'il est bon. Vu ce qu'il est sale. Beaucoup de drames. Ouais bien. Yo bien mon gars tranquille. Y'a qu'une voiture pour moi là tout de suite là. Yo personne. J'encule qui du coup là. Yo, tu prends tes deux jambes, tu cours. Eh, hey, déjà, tu te m'envoies pas là. Ouais, vous m'envoies là, déjà, pour commencer là. T'es qui toi? Sinon, tu viens au LTD et tu hey, je viens pas au LTD, moi. M'en bats les couilles, ton LTD, moi. Okay, okay. Bah, tu prends tes jambes, cul, moi. Tu casses dessus. M'en bats les couilles, moi. Tes chaussures ouais, grave sales. Oui, yo, tes big claquettes, lave tes chaussures. Tes gros orteils, achète là, les oui. Produits là qu'ils vendent. Et toi là, ton dégradé tout sec. Pourquoi tu fais le beau gosse là? T'as pas dit un mot, pourquoi tu... C'est pas parce que t'es grave mignon que ça y est. Mais grave chelou. Ah ouais, c'est chaud là. Tes lunettes à Bruno Mars. Ton collier tout serré au cou. T'es une petite chienne, c'est ça? Hein? Hein? Et toi ah, t'es là chaud, t'es chaud. Ton gros sac vert. Okay. Tes chaussures, t'as même pas mis de chaussettes. Ça se voit, tu pues des pieds. T'as mis une ceinture avec une fausse arme. Dans les orteils, y a t'as mis des gants alors qu'il fait grave chaud. Pourquoi? En mode t'es un criminel, c'est ça? T'as aucun plafond, t'es un menteur, t'es un imposteur. Toi, ça y est, toi, je te calcule plus, toi. Tu travailles au LTD, donc à partir de ce moment-là, j'ai gagné. Et hop, en plus de ça, je prends votre voiture. Je vous encule, les gars. Putain, merde. Allez, allez. Allez-y. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Vous allez bien? Bien, et vous? Ah, c'est super. Oh la honte, j'ai pas réussi. Hey, tu l'as encore ton putain, Zabi, y'a aucune voiture. C'est bon, on essaie de voler toutes les chops. Putain. Attendez, je vais passer un véhicule, l'autre qui galère. Tu veux un véhicule? Non, dis que ta mère, toi, tu crois quoi? Parce que je suis pauvre, je suis un clochard, ça, tu prends pour une merde, fils de pute. Parce que toi, t'as une voiture, tu dois me donner une voiture. M'en bats les couilles, laisse-moi me faire tout seul. Pourquoi tu fais l'ancien? Non, moi, tu dois me passer une voiture, moi. Moi, tu vas m'aider, moi. Hein, c'est grave pas sincère en plus. Tu fais ça parce que t'attends un retour, je te passe de l'argent. Rien à voir, rien à voir. Espèce de vieux mec, va. On a 3-4 patrouilles parce que elle soit qui rend un coup de main, mais j'aimerais bien aller voir. Je concentrerai sur les interventions. Et... Oh, fermez là, je bois mon café, fermez vos gueules là. Jassima, qu'est-ce qu'il dit? Taisez-vous. Putain, il me fait chier lui avec son SWAT là. D'accord. Je bois mon café, j'entends le SWAT, je sais pas quoi là. Arrêtez de faire mal au crâne là. Chapman, t'es un menteur. Tu gères rien. Mais qui parle? Quelque chose à dire, toi? Non, j'étais au téléphone. Ça va, okay. Chapman? Vous allez bien, Chapman? Je vais très bien. Je quoi, je vais leur casser leur délire. Je m'installe, hein, si vous permettez. Petite non, place. Je te permets pas. Je vous décale un peu. Hop. Ah! Ouais, fais comme chez toi, espèce d'enfoiré. Du coup, le SWAT, effectivement, le SWAT, nous. En ce moment donné, les quartiers, ils sont plutôt hostiles. Les jeunes se rebellent. Il y a 2-3 de nos collègues à nous qui ont fait quelques bavures. C'est assez embêtant. Sachant que les élections approchent. Je vous présente un des frères Brabus. J'ai promis à son grand frère de m'occuper un petit peu de son petit frère un peu fébrile mentalement. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas le petit frère, nous sommes frères jumeaux. D'où son attitude?
C'est quoi ton prénom, mon petit bonhomme? Moi, c'est Bader, monsieur, et vous? Bader, moi, je m'appelle Bill. Enchanté, monsieur Bill. Vous avez l'air d'être quelqu'un de bon. Je le suis. En fait, je suis juste. Vous voyez la nuance? Ah, c'est vrai. Vous êtes pas du genre à prendre un petit jeune de 21 ans et le ramener dans un parking et le passer à tabac. Ah bah non. En étant chef du LSPD. Ah bah non. Bien sûr, ah non, vous ne ferez jamais ça. Je vous ai pas passé à tabac dans un parking, je vous ai passé à tabac dans une salle d'interrogatoire. C'est encore pire. Je suis encore traumatisé de ça, monsieur Bill. Ouais, bien sûr, ouais. Je comprends. Bah sinon, c'est quoi le débat? T'avais pas porté des flics un peu plus tôt? Attendez, par contre, on est assez serré. Ça avait l'air moins traumatisant, hein, quand même, de planter un flic. Ah ouais? C'est... Oui, c'est... Effectivement, j'ai eu mes... Enfin, j'étais jeune, jeune et con. Et d'écraser une flic enceinte. C'était moins traumatisant, aussi. Ça, c'est pas moi, ça, c'est mon grand frère, ça. Ouais, c'est ton grand frère, ouais. Enfin, grand frère de 2 minutes. On est frères jumeaux. Vous êtes jumeaux, donc vous ressemblez. C'est un peu le principe, monsieur Chapman. Comment j'arrive à reconnaître, c'est que je sais que le... Que l'autre, c'est Solar, le chef, merci, du coup. Parce qu'il a plus de charisme. Ouais, plus de charisme. Et puis Bader, à ma gauche, il s'écrase aussi. Vous trouvez que je n'ai pas de charisme? Pourtant, regardez bien comment je... Ma position, comment je m'installe et comment j'observe et j'analyse la situation. Je trouve que je suis quelqu'un de très... Très à l'affût et très à l'aise dans ce que je raconte et dans mes propos. Chapman, j'écoute. C'est vrai que vous vous exprimez plutôt bien pour un homme de la rue. Je ne suis pas de la rue, je suis né dans une ferme. Je sais pas trop quoi faire avec lui, c'est de prendre une décision. Moi j'aimerais bien réussir à l'échanger, mais... On manipule. Qui êtes-vous, monsieur, avec votre grosse moustache? Oh, attention, s'il vous plaît. Votre gros bouc. Hein? Il nous a apporté énormément de choses. Faire une conversation. Des débuts de piste, en tout cas. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. La racaille, on ne veut pas s'asseoir... Je suis pas une racaille. Mon casier est vierge, contrairement à votre sœur. La pute. Pardon? Pardon? J'ai pas compris. Ma sœur quoi là? J'ai pas compris. Non. J'ai dit ma sœur, mais pas vous. Je parle dans général. Dans un hôtel, quelque chose comme ça. Vous avez vu, monsieur Bill? Vous voyez? Bon, vous partez bientôt ou pas? Parce que vous venez ranger. Non, mais c'est bon, je parle plus. Je parle plus. On discutait sérieusement, monsieur, d'accord? On t'a fin de service quand ce soir? Vous faites quoi dans la vie, monsieur Barbus? Je me branle les couilles. Et ça rapporte? Ça rapporte, non? Je perds mon sperme. Des litres et des litres. Mais de quoi vous parlez là, Brabus, là? Il y a des gens qui l'achètent, hein. C'est vrai, mais bon, le mien est rempli de merde, parce que je me nourris au fast-food et au coca. Mais sinon, je suis... comment dire, je travaille au concess moto. Bordel de merde. Et je le confie, lieutenant. Oui, je reste avec le petit. Vous êtes lieutenant, c'est ça? Oui, je suis le nouveau lieutenant, ouais. Ah bah très bien, bah écoutez, bonne chance. Vous pensez qu'il en faut? Sinon, on s'en fout de vous. Enfin, j'en sais rien, moi je suis une petite merde, je ne suis pas dans le grand banditisme, du coup je sais pas ce qui se passe. Mais je pense. Oh le cul, regardez. Papa. Serveuse, s'il vous plaît. Serveuse. Ouais. Une bière, s'il vous plaît. On fait notre travail. Pourquoi rigolez-vous, madame? Je voudrais une bière, je suis avec un associé à moi. Ouais, on discute. Pardon, je t'en ramène ça, je... Prends-tu un cacolac? Putain... Les parles quand les gens qui font traverser les hérissons. Vous avez quel âge, monsieur Barus? 21 ans. 21 ans, c'est limite. Bah, c'est la jeunesse, quoi, je suis plein d'ambition et de rêves. C'est l'âge pour consommer de l'alcool. C'est l'âge pour entrer en prison. Il faut juste pas... C'est vrai. Et c'est l'âge d'être éligible à la peine de mort. Non, la peine de mort n'existe pas dans notre état. Faut le mériter. Ouais, t'inquiète pas, on aura juste à t'envoyer au Texas. T'allais jamais me tuer, Chapman. Hop. Et on reste payé, chef. Ouais, c'est vrai, mais Chapman, mais en même temps, comment rester. Enfin, regardez-le là, c'est comme il est habillé, que ça touffe. Aucun effort. Comment ça, aucun effort? Je passe tous les jours 40 minutes à prendre soin de ma coiffure et à choisir mes vêtements pour que toutes les couleurs s'accordent. C'est vrai que les chaussures. Exactement. Avec la veste, la chemise. Non, franchement, il y a quelque chose. Enfin, c'est bien, ouais. C'est pas mal. Vous m'avez pas dit que vous êtes venu ce avec. Des couleurs qui vont avec mon teint. Ah, c'est vrai. Il faut chier avec ces putains de lapins. Mais il se passe quoi? Pourquoi la route est barrée?
Parce qu'il y a des hérissons en train de traverser la route. Oui, bien sûr. Au revoir, monsieur Bill. À bientôt. À bientôt. Nelson, tout doux. Ça va. Il est passé où, lieutenant? Ça va et vous? Il est... il s'est fait écraser par une voiture. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois qu'elle est ouverte, s'il te plaît, putain. Oh, t'as marre, quoi? Ouais, les frères. Ah, t'es venu pour un maquillage, c'est ça? Allez. Merci. Ouais, c'est beau gosse, ça va quoi? Bien, tranquille. Oui, oui. Ouais, ça va être... pour une petite coupe, on va se mettre bien, là. On va se mettre frais. Vas-y, vas-y, assieds-toi, beau gosse. C'est bon, du coup? Ouais, ouais, t'inquiète. Bon, c'est bon, c'est payé, merci. Salut, c'est salut. Bon. Oh, t'inquiète. À tout à l'heure, Mick. Ouais, quoi, tout Ouais, ils ont bloqué la sortie, oh. Non, je crois que je vais le garder la même coupe. Juste, je vais changer la couleur. Vas-y. Simer, Baba, mon rêve pour le seum. Ouais, merci à la famille. Tu veux quoi, Baba? En noir. Oh, blond, un petit ça. Blond, blanc. Carré, ça, impeccable. Voilà, beau gosse. Dans la caille, rien n'a changé. La daronne à Marlon, elle fume des sangers. Fils de pute. Pas, ouais, sacoche Dior. Pas. Tout ça pour que je vous braque, bande de fils de pute, tout le monde contre le mur. Allez. Là, j'ai un couteau, m'en bats les couilles, je vous plante. Nique ta mère, nique ta mère. Je te tire dessus, moi. T'es un fils de pute, Je te tire dessus, fils de pute. Je suis frais là ou pas? T'es grave moche. Ouais, ça va. T'es grave moche comme 500, t'es un bâtard, toi. On va dire ça à la nana. On va dire ça à la nana. C'est qui, Lana? Ah, Lana, l'autre. C'est la patronne. T'as les balasses, ça. Ah ouais, mais c'est plus les balasses d'avant. Eh, les balasses d'avant, vous dégoûtez. Là, ça met pression. Mais vous êtes toujours des salopes avec les familles. C'est ça, le problème. Mais comment ça, on est des salopes? T'es qui, toi? Je suis qui? Je suis le gérant de la zone. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui, toi? T'es qui? T'es un balas ou pas? Fermez vos gueules. Ouais, balas, gueule. Eh ben, nique ta grand-mère. Vous sentez jamais compris? Jure, vous êtes... Aïe, aïe, aïe. Même moi, les gars, je suis un balas. Non, t'es un balas. T'es un fils de pute. T'es un fils de pute. En fait, je suis pas un fils de pute. C'est... Jure, tu veux que je te prouve, je suis pas un fils de pute? Vas-y. Bah venez, on va baiser des familles maintenant, tout de suite. Mais on l'a déjà fait. Arrête de mentir. On l'a déjà fait, frère. On l'aura arrête reçu, de frérot. Mentir. Mais si, on les a rafraîchis. En fait, c'est parce que les familles ils parlent, mais tu les vois ou pas nous chasser en vrai? Ça? Bah ouais, tous les jours. C'est vrai. Bah attends, venez, on fait une photo. Mettez-vous derrière moi, viens, même le mec qui se coupe, venez. Oh là, vite fait une petite photo, les frères. Frère, il a cru que c'est ton pote. Ouais, c'est sûr, ça doit être super bien. Ta mère, oh. Eh frère, je suis pas dans. Venez, on fait une photo, vite fait, les frères, wesh. Let's go. En deux, Marlon, il veut faire une photo. Viens, Marlon, on fait une photo. Viens. Mets-moi les bois. Vas-y, tes vieilles photos. Viens, wesh. Attends, je fais pas de photo avec toi, moi. Venez. Je vais traiter la Mératrix. Venez. Ouais, la Mératrix, je te pèse. Tu m'as remarquer les balances que des putes. Regarde, tu es sûr, tu es une grosse merde, toi. Regarde, lis, j'ai écrit quoi? On va t'enculer, FDP. Avec la photo. Nous, on est des vrais bonhommes, les gars. Voilà. Nous, c'est la street, nous. Wesh, Kodak, t'as loupé un mec. La couleur, on dirait Célan. Bah, je suis un frère jumeau. Fils de pute. Après, la porte, là. Après, c'est pas des vides par balles, donc je m'en bats les couilles, en vrai, de vrai. Je m'en bats les couilles. Ça vient avec. Bon, j'ai des balles, Bon, bah, merci, moi. J'ai un gun israélien. Merci, c'est gentil, frère. Wesh, vous êtes fous ou quoi là? Eh hey. Mais ça y est, vous... c'est bon, attendez, vous êtes nombreux là. Il est où Marlon? J'ai fermé, vas-y. Il est où Marlon? T'as aucune. Eh bah, attends, il t'est arrivé quoi, bah, derba là? Parce que j'étais à Caillot, ça voulait m'enculer, donc j'étais obligé. Eh, hey, par contre, j'ai de nouvelles sacoches, je vais mettre une dure moi aussi. C'est qui ces deux bouffons là? Mais descends maintenant. Fils de pute. Descends. Non. C'est bon. C'était chiant. Prête-le-moi, juste, je vais me changer. Prête-le-moi, wesh. Descends. Waouh, y'a.
Eh, ressors ton flingue dans mon hood, je te rafale, fils de pute. Mais qui? C'est qui ce mec? Je vous connais pas, monsieur, je vous connais pas. Je sais pas. Voilà, les gars, c'est la street, ouais! Ouais, ouais, la Darona Marlon, la pute! Chef. Démarre! Ah! Ah, t'as vu, je t'ai fait comme avec toi en plus, je suis trop fort. Ouais, Marlon! Eh, vous êtes nombreux là. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un plafond pour vous, c'est monté chaud. Ça dépend quel plafond. Tellement tu me l'as mis dans le cul, les familles. La vie de ma mère, je suis pas un fils de pute, moi, je suis un fils de pute. Un fils de pute, plus. Un fils de fils. Non, mais t'inquiète, sois à l'affût. C'est UBG, bobo. Ah, c'est pas ça que tu cherches! Get au niveau de mon pantalon là. Non, c'était un autre, c'est la même que moi, ça? Mais c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Vas-y, t'inquiète, c'est bon, là, on est prêt. Ouais, bien tranquille, c'est la mort. Non, mais c'est ça. Ah, c'est sa copine. C'est son copain. Non, c'est mon copain. Ouais, c'est son, moi, je suis pas ton pote, moi. Son cousin. Ça, bref. Oui, toi, c'est mon copain. C'est mon cousin, ouais, t'es père. Gentil. Et il faut que carrément s'est battu. Vas-y, si tu veux rouler avec, prends-le. C'est ma mère, tu touches pas, c'est ma mère. Je reviens avec ta daronne, vite fait. Quoi? Ah! T'as dommage, j'allais pas rester, j'allais partir me déposer et la laisser, genre. Oh. Ouais, les frères! Mais putain, mais Marlon, quoi, là, Marlon, je suis venu. Il s'est incrusté. Regarde comment je suis habillé. Déjà, c'est impossible. Non, je vais péter un câble. Ça fait 40 minutes qu'on doit avoir un rendez-vous. Ils vont de partout. Je vais leur baiser leur mère. Qui? Mais moi, je partais juste chercher ma Buffalo là-bas. Mais qui? Hein. Je demande lui. Hein. Mais gars, je vais péter un câble. Moi, Marlon, moi, je suis roux depuis tout à l'heure. Marlon. Quoi? Je suis ton homme. Toi, ta gueule, t'as pas le droit de l'appeler dessus, Marlon. Tu me tires dessus, tu me dis t'es mon homme. Mais ça, c'est parce que tu connais, on a le sang chaud, ma gueule. Mais la vie de ma mère, je te préfère aux Familiz. Regarde mon téléphone, regarde, viens voir. Regarde, j'ai envoyé une photo avec, avec les balas. J'ai dit, on va t'enculer, ouais. FDP. Il m'a répondu, okay. Et demain, tu vas voir les Familiz, je vais prendre une photo avec eux. Il m'a dit, baisse ta mère, tes potes GS leur appartient même pas. Donc je lui réponds avec une photo. Oui, d'accord. Mais cette salope, quand il est venu, je l'ai appelé, j'ai giflé et il a pleuré. Bref. Vas-y, on a un rendez-vous, les gars, là. On doit aller à un rendez-vous. Avec qui? Avec des motards, des gens. Allez, venez, on y va. Tu peux m'expliquer pourquoi tu faisais la salope avec nous, là? Je sais même pas pourquoi. C'était quoi, déjà? C'est à cause de rien du tout. De rien du tout. Juste, tu venais chez moi et avec tes frères, tu nous insultais. Voilà. Ça va te passer en préféré. Non, en fait, vous nous avez tiré dessus et tout. Nous, vas-y, je sais pas. Je t'ai tiré dessus au bout de 2 ou 3 semaines que tu me cassais les couilles. Tu sais pourquoi j'ai tiré sur ton frère? Parce qu'en fait, on voulait de la drogue, tu voulais pas. Non, c'est un truc comme ça. Mais c'est même pas ça. Mais vous avez fait tellement de trucs, tu t'en rends même pas compte tellement tu fais de trucs. Tellement t'es influençable, Bader. Je vais te dire pourquoi. La première raison, d'accord? T'étais au quartier de Orange vers Vespucci. Tonton Marlon, Vas-y. Quand tu étais Orange à Vespucci et on se baladait autour, t'as dit aux flics, oh, ils ont des armes. Du coup, on s'est fait péter 3 ans de prison. Déjà, 3 ans. J'ai vraiment fait ça. Tu sais que la vie de ma mère, je m'en souviens toi pas. Ou tes frères. Mais c'est pas frères. Moi. La vie de ma mère, c'est pas moi. Moi, j'aurais pas fait. Regarde comment je suis habillé, moi. Je suis un mec, je pue la rue, moi. Moi, je poucave pas, moi. Et après, tu nous as braqué pour le truc de la drogue, là. Et après, les familles sont passées. C'est à cause de ça, mon ancien frère, ça, t'as vu, à chaque fois, c'est mon frère, c'est pas moi. Bref, je parle. Concentration, y'a rendez-vous. Ça va, Marlon? Ouais, Marlon. Faut que je te parle en tête à tête par rapport à un truc, et ensuite par rapport à tout ton groupe, par rapport à un truc ce soir. Vas-y, ça marche. T'as encore mis des nouvelles sapes? Non, toi, tu restes derrière. Ça va quoi, Naza? C'est un vain et toi, mec. Tu veux nous voir et nous mon sac à dos? 3, 2, 1. Oh yeah. Jason, rends-moi mon téléphone, wesh. Tu veux que? Déjà, tu veux que, wesh. Mais déjà. Bande de fils de pute, va. Comment ça? Je rigole. Qu'est-ce qu'il fait, toi? Je suis un balade, vous allez faire quoi? Je suis dans mon quartier, vous allez faire quoi?
t'es dans le Rick, si tu dis son quartier, t'es dans le Houda. Dans mon quartier, faites Belek, faites très attention. Arrête de me zahef là, arrête de me zahef. Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali. Ah ouais, tu veux la bagarre? Tu veux la bagarre? Tu veux la bagarre? Fais ta tête, 3, 2, 1, c'est parti. Vas-y, battez-vous, frappe, frappe, frappe. Frappe. Frappe, vous êtes voilà. À deux, vous êtes à deux. Bon, je prends lequel, Ah, fils de pute. Ah, tu m'as pas vu venir. Oh, fils de pute, arrête de courir, mais nique ta mère. Concentre-toi, garçon. Ils font quoi, wesh? C'est quoi c'est, cette technique de fils de pute, là? Ils veulent, non, ils veulent se taper entre eux, ils sont chauffés et pas rigolés. Aïe! Oh l'enculé! Ah. Non, derrière toi! Pépé mec! Ah. Ah. Yeah. Oh. Oh! Il est gravé! Ouais, c'est bon là, arrêtez-vous. Hop là, c'est léger. Qu'est-ce que tu fais l'ancien toi? Tiens, mange ta patate toi aussi. Oh là là, mais toi. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, frappe, 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 frappe-moi. Frappe-moi. Mais grave fou. Oh là, mais. Lil B. Oh. Ouais, Lil B, excuse-moi mon ref, excuse-moi. Excuse-moi, Lil B, tu connais, nous on est des mecs de New York, nous. Nous, c'est la Debza. Oh, j'ai niqué des grands-mères. Putain, Lil B, la fille de ma mère, Lil B. Je suis Lil B, les gars. C'est mère Akim pour le sub, merci mon frère. Bienvenue dans le hood. Bienvenue dans le hood. Et pas le parfum hood, hein, à pas confondre. Parce qu'ici, on parfume pas, nous. C'est le hood. Ici, on salit, on a les mains sales, les mains faites pour... Ah ouais. Ça t'a servi à quoi? On est des fous ici. Je sais pas, on est des baisers. Bas les couilles, c'est là. Regarde, regarde. On met nos chaussures sur les câbles électriques. On s'en bat les couilles, c'est la cahier. C'est la street ici. C'est pas le club de Mayans là à Vinewood où ça répare des motos avec des meufs claquées. Lil B, calme-toi. Eh, tu connais Lil B, nous on est des mecs de New York, nous. Lil B. Pow. Attends, y'a un mec qui s'appelle Lil B ici. C'est moi, fils de pute. Très bien, c'est moi, wesh. Wow. Je sais même pas t'es qui, frère. Je sais même pas t'es qui, frère, arrête de faire le mec. Je suis du renfort de Chicago. Ouais, c'est du renfort. Ouais, hey, ouais, ouais. Écoutez mon bien, gna. Et moi toi. T'as dit quoi, gna? Regarde, regarde comment il se cambre, lui. Regarde, regarde, regarde. Regarde. Ça se voit, t'es prospect, toi. T'es une prospute, toi. Quoi? Let's go. Doucement, doucement, Libé. Ouais les gars, moi je suis... J'ai les nerfs, j'ai la rage. Toi aussi toi. Tu vas vite te calmer. Toi je t'ai analysé toi. Toi t'es le plus sérieux, t'es celui qui s'énerve grave vite pour rien. Mais je te baise moi. Oh, il baise. Aïe, oh, ouais. Eh lui je l'ai cramé à chaque truc avec les Mayans. Lui il se vénère grave vite. Oh, Lil Young. Voilà, je l'avais cramé depuis. Écoute, écoute. Eh, eh, eh. Vous êtes sérieux? Viens. J'ai juré qu'il était plus. Viens voir. Peu d'image. Viens voir. Peu d'image que vous avez. Parle bien de l'image. Parle bien. Notre image, elle est. J'ai envie de coucher. Eh, l'image, elle. Arrête, arrête, aïe. Voilà. Mérité. Putain. Il est tombé. Des mecs du Houd avec des sacoches. Bah, Dior. Vous avez investi, les mecs. Je suis fier, vous avez investi, j'aime bien. Moi. Qu'est-ce que t'en tiens, Dior? Ok, ok. Je peux y aller. Dans les hommes? Oh, on investit quand même. Ah, c'est bon. Vas-y, vas-y, post-smoke à tout à l'heure. Vas-y, vas-y. Au revoir, les archis du Houd. Ta gueule, la team. Allez, barrez-vous là. Moi, j'ai mis. On a notre rendez-vous, venez là. C'est trop nul. Ça a parlé de quoi? Résumé, résumé. Ça a parlé de territoire. Ah oh, si, il est matrixé par ça, ouais. Eh d'abord, ferme-la quand on t'a dit ferme-la. C'était la seule condition, tu respectes. Je te jure. Mais j'ai rien dit, j'ai détendu l'atmosphère. Monte, monte. C'est qui ça? C'est Lil B, nouveau Ballas.
C'est un prank, il a l'air rigolo ce mec. Ah non mon frère, moi je suis un balas mon frère. Tu sais que le mec qui est devant là, à côté passager, il a le seum contre toi, il a envie de te niquer ta mère. Hein, mais heureusement je dis pas quitté. Hein. Je suis Lil B de toute façon, y'a rien. Après ouais, j'avoue j'étais pas là au moment où il y a eu les Embrick Family, j'avoue je vous ai mis un plan mais bon tranquille je me rattraperai. C'est quoi ton... Attends. Non son blast c'est... C'est quoi déjà? 300. Le blast à qui? Tu veux le blast à qui? Regardez à gauche les gars, y'a les... Y'a les vagos nos ennemis. Ah mais là on a un rendez-vous là, nous on va faire du business là. Et en plus là il y a des filles quand on est en Defcon 2, tu veux qu'on drive by. Mais putain mais t'es un cerveau ou quoi toi? C'est quoi Defcon 2? Defcon 2, fouille intensive et arrestation multipliée je sais pas quoi là. Putain j'ai vu un nouveau délire là sur TikTok. Hagra intensif ça s'appelle. Et ils montent des quand ça tire. Oh là là, putain. Oh là là. Mais est-ce que ça met pression ça? Pour vous ça met pression ça? C'est lourd. Y'a pas de pression, y'a pas de pression. C'est rendez-vous avec qui? Oh, c'est qui ce fils de pute là? Mes frères noirs, comment vous allez? Bonsoir, bonsoir. Bien le bonsoir, ça va, bien le bonsoir. Bien. Bonsoir, bonsoir. Et vous, comment ça va? Comment ça, ça va, se va passe? Ça va, ça va. Tranquille. Ça va, ça va. Dites-moi, je t'écoute, Marcus. Bastard. Viens là, viens derrière toi. C'est pas Marcus à qui tu t'adresses là pour l'instant. Ah, il est pas là. Oh, si, si, il est là, il est à ma gauche, mais je me présente, parce que je vous ai pas vu hier soir. J'étais pas là. Ouais. Je me présente, Bishop, président du Grim Bastards MC. Bishop les anciens. Comme ta gueule. Vous avez déjà fait. Vous avez déjà fait connaissance avec mon vice-pres hier soir, c'est bien ça? Ouais, ouais, tout à fait. Et j'ai eu écho comme quoi vous seriez en mesure de voilà nous fournir quelques business éventuellement quelques petits atouts très précieux. Ok ça marche. Écoute-moi, tu t'appelles comment? Bishop? C'est bien ça. Moi je me prénomme Marlon OG des Ballas. Qui sont derrière toi là, qui sont derrière moi. Écoute, des business, ça dépend. Tu travailles dans quoi? Tu fais quoi? C'est quoi ce que tu préfères le plus? Écoute, là, on est fraîchement arrivé à Los Santos. On vient de Lodi, dans le nord de la Californie. Pour l'instant, on travaille dans rien. On est activement à la recherche d'une source de revenus, si je puis dire. Et puis voilà, on est ouvert à tout type de propositions. Ça dépend de toi, qu'est-ce que tu as à offrir. Ok. Dis-moi, Bishop, c'est quoi que tu travailles le plus? Genre, c'est quoi que t'aimes le plus? Genre, la coke, je sais pas moi. Évidemment, tout ce qui est drogue dure, ce qu'il y a de plus intéressant. Ok. Il y a peut-être moyen qu'à l'avenir, je te place sur des bails, mais tu connais, il faudra payer un petit truc quand même. Évidemment. Dis-moi en plus. Ok. C'est simple. Il m'a dit aussi que t'étais en manque de petits bijoux, ce qui sert à tirer. En manque de tout, ok. Écoute, Bishop, je vais tout simplement commencer par donner un petit business, comme ça tu pourras te développer au fur et à mesure du temps, vu que je te connais pas encore, toi et ton groupe. Mais sur ce business-là, il faudra que tu me passes une taxe de 30 000 par semaine. Et crois-moi que quand tu la vends dans la rue, tu vas te faire beaucoup plus. Dis-moi en plus. Juste bénéfique. On parle de quoi? Les gars, la coque. Ça t'intéresse la coque? Évidemment. Ok, ça marche. Les gars, la coque, elle se vend combien déjà dans les rues? Je sais plus. Je crois que c'est 400. 900. Hein. Quoi, autour de 900, si je mets 500. Ouais, 900. Parce que tu parles bien, tu parles bien. Tu parles bien. Parle un peu plus fort, s'il vous plaît, les gars derrière. Et tu parles bien autour de 900, man. 900, autour des 900. J'ai entendu 400. Non, il s'est trompé. C'est pas ce qu'on a, c'est pas ce qu'on propose, c'est pas la même chose. De toute façon, là, j'ai pas d'échantillon sur moi, mais je t'en passerai un pour que tu voyes de toi-même combien tu la vends. Mais fais attention où tu la vends, parce que ici à Los Santos, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le territoire. On s'est un petit peu renseigné en amont. Dis-moi, au niveau de tes transactions, tu les gères comment ça se passe? C'est simple, je vais t'envoyer une petite position, ce sera pas le même endroit par contre. Ce sera pas le même endroit à chaque fois.
Et tu viendras et je te livrerai ça et tu repartiras avec ta com. Mais je croyais que tu... C'est bon. 30 000 semaines, je croyais que tu nous passais, on va dire, le circuit. Non, 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 pas le circuit, pas le circuit. Bah, il sert à quoi les 30 000 semaines? C'est comme un abonnement. Tu vois ou pas? Donc si je comprends bien, je dois te passer 30 000 semaines et ma cam. Voilà. Voilà, c'est ça. En gros, tu passes 30 000. Je sais pas, ça dépend. C'est pas, on va partir sur un 500 grammes la semaine, la première semaine. Après, si vous êtes efficace sur le terrain, je vous donnerai plus. Ça marche, ça marche, ça marche. Écoute, voilà. Marlon, c'est bien ça? Ouais, ouais, ouais. Écoute, ah oui, oui, pardon, j'allais oublier un petit détail. Concernant les outils, vous avez discuté avec mon VP qui est de retour. Qu'est-ce qu'il en est? T'avais dit que tu voulais le voir aujourd'hui. Concernant les outils, moi j'ai du stock pour mes gars, mais il me faut un stock supplémentaire. Ça veut dire que je sais très bien que dans les situations où je suis actuellement, il faut toujours que j'ai un surstock. Et là, personnellement, je peux pas me permettre de vous passer des, quoi que ce soit. Il faut que je commande et quand j'aurai la possibilité de vous donner, je vous donnerai. C'est bon? Et tu nous les ferais à combien? Je vous les vendrai. Ça se vend combien ça déjà? Je sais pas, 80 000, 90 000, ouais, on va comme ça. Le Glock. 80. Ouais, 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 80, ouais. Entre frères noirs. Ouais, 80, c'est bon. On va pour 80. Et la boîte de munitions, tu la ferais à combien? T'as une petite idée? Boîte de munitions, je te fais ça à 1000 dollars. 1000 dollars la boîte de munitions? Ouais, la boîte de munitions, ouais. Ça marche, ça marche. Bah écoute. Voilà. On se recontacte dès que t'as un échantillon. Voilà, nous, c'est ça. Tu nous bipes. Prends le numéro. Je t'invite à prendre le numéro de mon trésorier. C'est lui qui gère ça. Et à passer vas-y, par vas-y. Lui ou par mon VP, mais c'est préférable par lui. Vas-y. Vas-y, c'est 32-11. Tu marques Doug. Doug? Doug. Dans la caille, rien à changer. Ouais, c'est bon. Bah écoute, je te recontacte quand j'ai l'échantillon, comme ça tu vois combien ça se vend sur le terrain. Et on va commencer par 500 grammes la semaine, comme ça tu pourras te faire de l'oseille et par la suite tu pourras m'acheter les petits outils. Ça marche. Bah écoute. Si on peut avoir l'échantillon vite, comme t'as vu, on a faim de thunes. Ouais, dans la soirée, je te donne ça. Bah c'est parti. Bah écoute Marlon, je te remercie. Parfait. Pour le temps que tu nous as accordé et je vous souhaite une bonne continuation à vous les balles. Vas-y, pas de soucis. Pas de soucis, bonne soirée les gars. Bon, au revoir, ça vous force. Bonne soirée. Au revoir. C'est quoi encore leur nom, les autres? Le VIP, il fait quoi? Yo les gars, vous avez vu le tir de la meuf? Yo, c'était peur net. Jure. Bah les couilles. Attends. Ouais. Eh hey, t'es un chacun toi. J'ai grave la dalle. Tiens, je la porte, bien vu. Tiens, hop là. Vas-y, bien vu. Tiens, ces fils de pute, ça se voit, ils veulent nous baiser les gars. Ouais mais toi t'es qui toi? Comment ça? Je suis Lil B. Ils nous baiser en quoi? Je suis Lil B. Je sais pas, ils disaient qu'on est frères noirs. Ça se voit, ils essaient de prendre par les sentiments. Ça sent pas bon cette histoire. Ah, par contre, ça il a raison, on verra, hein. On verra. Franor, on a déjà tiré, man. C'est... Regarde avec les families, c'est des noirs, mais regarde comment on s'allume. On se tire dessus à tout va, ça veut rien dire. Toi, tu leur as tiré dessus aux families. Ayou, merci pour le prime. Bah oui, ouais, si tu savais. On leur a fait du sale. Tout le monde, t'es un bâtard. Mais en fait, je suis mon frère, je suis influencé. Ah ouais, t'es influençable, putain. Et l'autre là, comment il s'appelle déjà ton autre frère? Le petit, ben lui il suit lui. Lui c'est aussi un mec il calme. Suit. Ouais. Putain. Dans la caille, rien n'a changé. Non. Non. Appelez-moi. Ton daron claqué. D'ailleurs, attends, je dois faire une vengeance moi, c'est vrai. Mais non! Arrête, bouge pas! Y'a quoi? Mais pourquoi? Arrête! Viens! Mais j'ai fait quoi? Bon, pendant toute la soirée, tu sais ce que tu vas faire.
Ouais. Tu vas finir tes phrases par ouf. Mais ça, c'est pas moi, ça, non. C'est le délire de mon frère. Moi, j'aime pas faire ça, moi. Je m'en bats les couilles. Bah, je. T'as. Ouf, fais quoi, Kodak ? Lesbi, on va parler cash. Ton masque. Mec. Pourquoi ? Lève ton masque, attends, man. Après, je te dis, je vais y aller. Pourquoi ? Enlève ton masque, mec. Il t'a dit, enlève ton masque, ok ? Lève-le, mec. Ils savent qui je suis. Kodak. Oh, enlève ton masque alors, je vais voir t'es qui, moi. Je suis. Vas-y, arrête de bouger partout, enlève ton masque. Attends, mec, en privé, je te montre. Mais quoi, t'es là à ce point-là, mec. C'est grave moche. Demande à Marlon. Non. Bah, si t'es abusé, arrête de te foutre de ma gueule, enlève ton masque. Bah, viens, je te montre toi, moi, en tête à tête. Non, je suis timide. Enlève ton masque, frère, je vais te mettre un coup. Retournez-vous, et dès que j'enlève mon masque, je vous retournez, vous me regardez. Vas-y. T'es prêt? Ta mère, viens là. Qu'est-ce qu'il fait? T'es sérieux, toi? Yo, ça pète dessus, toi. Fils de pute. Yo, je vais te tirer dessus, non, toi. Non, non, c'est bon, les gars, c'est bon, calme. On lève ton masque, j'enlève, c'est bon. Ok. Vraiment, juste enlève ton truc, fais pas le con. Attends, il ouvre sa gueule. Calme-toi. Non, toi, tu sais très bien chez qui. Attends. Toi, tu m'as planté avec un de tes frérots, toi. Non, mais non, bah non. Il y a erreur. Non, écoute-moi. Écoute-moi, au baraté. C'est lequel des frères que j'ai braqué qui a fait sauter Kodak par la machine. C'est lequel de tes frères? Hein? Qui a fait sauter Kodak par la machine? Hein? Par la machine. C'était où? La vie de ma mère, je m'en souviens pas. Attends, non, tu sais très bien de quoi je parle. Je te jure, attends, redis-moi. Kodak? Faut snapper. Ouais, Kodak, vous avez une voiture rouge, vous l'avez fait sauter à 200 km/h. Tu te souviens de cette soirée-là ou pas? Ah! Mais non, mais ça, on l'a fait à. C'était à qui qu'on a fait ça? C'était à. Comment il s'appelle? À Kodak. À Kodak, carrément. Mais c'est qui Kodak? Tu vas voir, c'est qui? C'est le Yonji. Ouais, YG du quartier en plus, vous avez manqué de respect. Et non seulement après ça, j'ai braqué un de tes mecs pour lui parler. Et il y a un de tes frères qui m'a planté, si c'est pas toi. Tu te rappelles de ça? Au truc de thé? Putain, je m'en souviens pas. Je suis malade, moi, un peu, mon frère. Qu'est-ce que tu fais ici avec nous, toi? Mais la vie de ma mère, je m'en souviens pas. Vraiment, je m'en souviens pas. Ouais, là, je te demande. Là, je m'en souviens pas. Oula, c'est Oula, frère. Moi, je peux rien dire. Je te jure, mais par contre, attends, mais c'est moi, j'étais là, moi. Moi, c'est Bader, hein. C'est pas t'es qui, mais toi et tes frères, pour moi, vous êtes on est trois frères. Il y a le petit, il y a le grand, le et à moi. Tu vois, moi, je suis jumeau avec Céliane. Je sais pas si c'est Céliane, je vous connais pas. Juste que les trois, vous foutez la merde par chez nous. Vous souvenez, au barbier, vous manquez de respect aux gars, vous parlez mal. Explique. Yo, le R, viens, décale. On décale, j'ai pas fini avec lui, moi. Attends, viens, on va expliquer, viens, on continue, viens, on va continuer notre discussion. Mais y'a erreur, mon frère Riley. Tu t'appelles Bader? T'appelles Bader. Bader. Bah, la vie de ma mère, je t'appelle Bader. Voilà, je m'en souviens pas. En putain, Bader un peu. Et tu vas t'expliquer parce que vraiment, je suis pas d'humeur là. Toi et ton frère, vous m'avez planté. Quand j'avais une arme pointée sur vous, vous avez fait les fous avec moi. Écoute, tu sais quoi? Je te ramène mon frère. Celui qui t'a fait le sale. Non, je te fais pas confiance. Tu fais pas confiance. Mais garde-moi, regarde, je reste à côté de toi. Dès qu'il se réveille, là, il va se réveiller. Vas-y, je le ramène. Cache-toi du quartier là. Ça te va ou pas, Riley? Attends, mais moi je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais avec nous? Tu te respectes pas, là, tu manques de respect au barbier et là, t'es là avec nous. Attends. On est en connexion, j'ai vu. Comment il s'appelle? Marlon, il a dit qu'il doit se casser. Vas-y, casse-toi là. Je te sors un mec, tu te casses. On a dit ça ou pas? Je sais pas, les gars, je subis. Comme ça, t'es bi. Je subis la situation. Ah, tu subis. Oh, Kodak, Attends, arrête de le. J'ai pas fini avec lui, arrête de le presser à partir. Yo, Kodak, c'est ce mec-là qui t'a fait sauter par la voiture ou pas? Non, c'est mon autre frère. Voilà. Donc, moi, je lance son frère. Eh, bon, là, on doit faire des trucs, le R. Faut qu'il se casse là. Fuck, man, vas-y, prends la bécane, casse-toi. Vas-y, casse-toi là. Putain, les gars. Vas-y, les frères, courage. Cassez-vous du quartier, bande de fils de pute. Allez, récupère ta soumelle, toi. Allez, récupère ta soumelle, les casse-toi. Tu connais? Ah, si tu utilises ça, par contre, je vais te coucher maintenant. Viens là. À nous faire foutre, les cops. T'es qui, toi? Casse-toi. T'es un habitant du ghetto, toi? Ah, ton cas. Aïe. Loser. Allez, les casse-toi de la grosse soumelle devant.
Je le percute lui. Oh, je vais le percuter. Moi je t'ai niqué. Mais frère, j'appuie pour accélérer, ça veut pas. Allez, arrête tes conneries là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? En plus, tu l'as volé et tout. T'approches pas de nous. Arrête, me tasse pas, me tasse pas. Non, je vais le pire que ça, je vais pas te tasser. Non, ah, ah. 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 Aïe. Comment ça, tu pètes un peu, mais t'es foutu ou quoi? Allez, aïe. Dans la caille. Aïe. Je vais noter cette petite à la caille. Putain, il est trop clair pour habiter dans ces quartiers. C'est qui lui? Oh. Allez, on remonte les plans qu'il a tel cette sous-melde. Aïe. Quoi ton nom? Moi c'est Bader. Bader comment? Bader Bader. Bader comment? C'est quoi ton nom de famille? Bader okay. Bader Brabus. Bader Brabus, 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 Brabus. J'ai vu ça quelque part, ça, Brabus dans les dossiers. Dans mon Zub, peut-être. Non, je sais pas. Je l'ai vu dans les noms de la honte pour les personnes honteuses. Putain, il est drôle le collègue. Putain, il est drôle le collègue. Je fais du vélo, attention, je suis un gangster. Oh là là, on est sur un cas là en fait. C'est qui lui là, monsieur? Ferme là. C'est quoi ton j'ai nom? Je peux connaître. T'inquiète pas, t'es venu. Putain, démonote-moi, je vais te niquer ta mère, toi. Doucement, 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 doucement. Oh, faudrait pas. Non, je rigole. Oh, doucement. C'est bon, pardon. Mais on fait quoi là? Écoutez, je peux être votre indic. On va discuter un grave peu, rapide. Que... Déjà, ça, ah, ouais, c'est grave rapide. Non, rien, c'est une blague. Fais le descendre. Ouais. Allez, sol de véhicule sous merde. Ouais. C'est une belle soumelle qu'on a attrapée ce soir. Hein. Bon. Ouais. Tu veux tirer les menottes ou pas? Non, déjà j'aimerais bien. J'aimerais bien savoir une chose. Non. Moi, il y a quelque chose. Je les ai plus là, non? Ah si. Ça s'il vous plaît, chef. Oh moi. Bougez pas, Bader, c'est Bader Brabus. Ouais, je me souviens d'avoir vu ça dans. Ouais, effectivement. Vous avez des frères? Non. Ouais, un frère jumeau et un petit frère. Putain, c'est alors... si moche que toi. Démonotez-moi, juste on discute. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, monsieur? Au moins, démonotez-moi, on commence à discuter. Non, vous êtes très bien comme ça, là. Ça me va très bien. Putain, j'ai mal aux mains. Ouais, vous avez pas mal de choses quand même sur vous, monsieur Brabus. La sacoche est pleine, effectivement. Ah oui, la sacoche est bien pleine même. Ah, vous pouvez m'expliquer la provenance de tout ça? Faites quoi déjà dans le quartier de Grove Street? Vous m'avez l'air bien trop pâle pour être dans de ce quartier. C'est vrai ça, tu vois, je peux je me baladais, hein. Je suis parti prendre ma petite conce pour fumer, ma petite conce, et voilà. Ouais. Ah, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Parce qu'en fait, on a deux options, monsieur Brabus. Soit on vous ramène au poste de police et on emploie la procédure normale. Soit on trouve un petit terrain d'entente. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Démenotez-moi, je peux vous dire. Et on en discute. Non, les infos et après on te démenote. Ouais, mais ça me fait mal, là, je me sens oppressé. Vas-y, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Arrête, c'est honteux, arrête. C'est la honte, hein. Vraiment c'est la honte. Mais qu'est-ce que tu vas foutre? Arrête. Je dois le frapper encore. Mais j'ai mal aux mains, faut que je les enlève. Bon, je dois le frapper, y'a pas le choix. Il a toujours. Oui, il est en train de courir comme un guignol. Prenez-moi! Prenez-moi! Ouvre la porte, vite! De toi, bâtard. Vite, fils de pute! Aidez-moi! Les frères! S'il vous plaît, 100K, 100 000, 100 000, 100 000. Bloc
Arrête-toi, arrête-toi, Bader. Je suis presque sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente. Ah, mais il va me frapper, il va me frapper. C'est bon. Ah. C'est bon. C'est là, tu lui fais un traumatisme crânien. Arrête. Oh, ça c'est dommage. Moi, je vais taper Tibia, toujours. Ouais. Putain. Ah, ma jambe. Il a essayé de t'acheter qui, là? Je sais pas, non, mais j'ai pas l'argent, j'ai menti. Bon. T'es lâche. On va pouvoir discuter tranquillement, Bader, ou tu vas nous faire courir dans toute la ville. C'est bon, je suis calme. Vas-y, relève-toi. T'as d'être relevé. Allez. On le fait en bagnole ou on discute ici? Non, c'est bon, on va discuter ici. Allez, je t'écoute, Bader. Qu'est-ce que tu peux nous apporter? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Bah, je sais pas, hein. Tu m'as l'air... Bah! Je vous les livre eux là, et eux ces fils de pute. C'était Yvan de la coque, c'est des fils de pute. Ah bon? Je vous les ramène. Ouais. Ah bon? Ah, tu sais que la lutte anti-drogue, ça m'intéresse moi. Si on peut nous ramener des poissons. Eux je les ramène. Je les ramène bien dans un bon plafond de drogue. D'accord. Ok. Mais donne ton numéro. 0944. Vas-y, prends son numéro de téléphone. 0944. Pourquoi tu nous les livres eux et pas d'autres? Qu'est-ce qu'ils sont? Ils viennent me traiter, je sais pas, j'ai la haine sur le moment et voilà. C'est vrai qu'ils t'ont humilié un peu. Ok, donc c'était trafiquant. Ça marche, et toi tu fais quoi? Tu fais quoi pour souvenir? Je vends des motos et voilà. Je me balade. Arrête avec les sous-merdes, tu arrêtes, ça va devenir sous-merde. Mais juste enlevez-moi les menottes déjà, pour commencer, je donnais mon numéro, je commence. Tu lui as pris son couteau? Prends-lui son couteau, il a quand même crevé les pneus de la voiture. Prends-lui son couteau. Allez, deux contre le mur, allez. Non, face contre le mur. Vas-y, maintenant, après, tu peux le démenoter. Pourquoi il a pris mon couteau? On va voir si on peut discuter avec monsieur, là. Pourquoi il a pris mon couteau, monsieur? Ah, vous avez quand même crevé le pneu de votre véhicule de service. Il est pas mal. Bon, maintenant, vous êtes démenoté. Ouais. On vous écoute. Bah, je vous les ramène et puis voilà, je sais pas moi. Bah, comment tu comptes t'y prendre? Je sais pas. Tu m'as l'air bien inspiré. Je vais me renseigner de ce qu'ils peuvent me ramener, m'apporter. S'il y a de la drogue ou quelque chose, je vous appelle, vous m'envoyez un petit message, je vous envoie la position et vous faites votre travail. Ok. Je vais pas être cramé. Mais non, je vais commencer avec une petite info pour voir si ça va fuiter. Si ça fuite, je vous donnerai plus rien. Ça marche, et peut-être qu'un jour tu pourras revoir ton couteau. Mais non, rendez-moi mon couteau. On va le garder bien précieusement. Ouais. Si l'info est bonne, tu récupéreras ton couteau. Mais non, arrêtez, j'ai que ça. J'ai même pas d'armes, rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur Brabus? Putain. Donnez-nous l'info. Donnez-nous une bonne info. J'ai pas d'info là, tout de suite. Ah, mais c'est pour ça. Creusez-vous la tête et trouvez-nous une information qui est bonne. Quand celle-ci elle sera confirmée, on vous rendra votre couteau et vous serez un homme libre. Sinon, on peut employer la procédure normale. Bah là, ça me donne pas envie. Moi, je vais partir, je vais racheter un autre couteau et puis voilà. Ah bah, comme vous voulez. Alors que là, vous me le donnez, c'est-à-dire vous aurez. Moi, j'aurais. Enfin, ce que je vais penser de vous, c'est que vous aurez été bon, vous m'avez rien pris, vous m'avez laissé une chance. Ouais. Et voilà, je me rattrape. Mais vous avez pas fini en cellule. Vous auriez pu. Non? On vous a fait une fleur aussi. C'est vrai ça. Je fais ça tous les jours, on finit pas en cellule, nous. Ouais, mais c'est des salopes, nos collègues. Ah bon? Bah là aussi, Ouais, nique sa mère. Arrêtez, c'est bon, attention, c'est bon. Ce que tu dis. Attention, hein! Putain, mais rends mon couteau! Aïe!
Ah. C'est bon, c'est bon. Allez, pas d'informations pour lui. Putain, mais mon couteau. Ta gueule, reste au sol là. Putain. Non, mais s'il vous plaît, monsieur, juste mon couteau. C'est une chaleuse, hein, c'est grave. Juste mon couteau. Tiens, il est à moi maintenant. Couteau. Il est à moi maintenant. Tiens, fils de pute, va nique ta mère. Ok, bouge pas. Y'a PewDiePie, il m'a appelé. Ah ouais, ce fils de pute. Vas-y, on va le voir. Majef, je te vois. Parce que t'as vu, ça coque. Déjà, faut qu'on ait le monopole. Et qu'on la vende à... Parce que là, ils bicraft tous avec les mecs de Caillou, tout se passe bien. La vie, elle est belle, hein, de leur côté. Là, j'ai vu leur vrai visage, là. Aux autres, là, au gang. À tous les groupes. Ils sont bas... Hey, t'es sûr? Bien sûr. Bah, les Ballas, ils ont proposé la coque de Caillou. Oui, mais je crois qu'il y a que les Ballas, moi. Hein. Tu penses? Ben, je crois. Attends, je vais demander un truc, si tu veux. Je sais pas. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. LSP vous invite à monter dans le véhicule. Je vais simplement, par précaution, mettre une petite cagoule au préalable. Ok. D'accord. Ah. Attendez. Désolé, je l'ai enlevé, c'était plus fort que moi. Eh, tu vas où? Oh, pardon. Ok. Wesh, mais comment je monte? Ah non, mais en fait tu t'es rapproché. Comment ça? Bah là il me l'a retiré, il est trop fort. Ok. Bon, approchez-vous du véhicule, venez. Je vais tenter une troisième fois. Ils sont pas faciles à serrer. Ok, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Alors la porte est légèrement sur votre droite, vous pouvez monter dans le véhicule. Là? Je suis dedans là? Ouais, c'est là, bon. C'est bon moi? Ouais, c'est bon. Ouais, je me suis mis à prendre la voix du chef, des fois faut pas lui dire ça. On est arrivé. Vous pouvez descendre du véhicule. Ok. Vous avez retiré vos cagoules. Non, pas moi. Ah, voilà. Ok, suivez-moi. T'aimes bien avec les cheveux longs d'herbe ou pas? Ouais, je dirais le crâne à Alpha Baby, mais ça va. Ok. Non, mais je trouve que j'ai l'air plus mature comme ça. Installez-vous ici, je vais aller chercher le... Ça marche. Ah, il est mort lui, hein. Tu la tapes ou pas? Elle est costaud quand même. Putain. Elle a des épaules. Putain, elle est plus bas. Ah. Ouais, salut les man. Tranquille ou quoi? Salut. Ça va? Salut. Tu vas bien? Lipi. Ouais, ça va. Ça va? Tu m'appelais comment? Lilpi? LSP. Remanque-moi encore une fois de respect en trompant sur mon putain de nom. Et tu finis dans cette putain de cage avec les autres. C'était pas un manque de respect, je pensais vraiment. Ok, ouais, c'est bon. Bon. Vous êtes fait venir ici ce soir parce que j'ai un petit souci, tu vois. J'allais être à court d'hommes pour ce soir. Faut que j'en envoie pas mal sur Caillou, j'ai envoyé une troupe d'à peu près trentaine d'hommes. Ok? Ouais. Vous avez été mis au courant de ce putain de guerre là entre ces putains d'Américains, ces putains de Russes. Moi j'en ai rien à foutre, je suis pas patriote, tu vois. Qui se tire dessus, ça me regarde pas. Mais en tout cas, c'est des trucs à récupérer, je les récupère. C'est simple que ça. Des informations. Des putains d'informations. J'ai un ami à moi qui m'a informé que des membres du FBI ont regroupé des armes retrouvées qui étaient dans le cargo russe. C'est une petite île, un petit... Ce qui ressemblerait à un petit îlot, à côté de Los Santos, à forte proximité du nord. Ça tire un champion là. Hein? Il y a des coups de feu, hein, à côté. Ah, j'en ai rien à foutre, c'est sûrement mes hommes qui doivent s'entraîner. C'est pas, t'inquiète pas. Ah ouais? Ouais. Ok.
stand de flics sur le port, mais le second port. Les gars sont dessus, ils surveillent, t'inquiète pas. C'est pas ici. T'es stressé? Ouais, ouais, un peu. Ah, si t'es putain stressé, dégage, man. Non, mais je suis un peu stressé. Moi, mais je suis totalement détendu, non, c'est... t'inquiète. Non, mais c'est du bon stress, c'est du bon stress. Ok. Adrénaline. Ok, bon. Et ces putains de membres du FIB ont récupéré ces putains d'armes, tu vois. Munitions, stock d'armes, des gros caissons, il me les faut. Donc vous allez les récupérer pour moi. On va voler des trucs au FBI, là? Ouais. Ok, ok. Je t'envoie la photo satellite. Ouais. Je vous envoie tous les deux la photo satellite. Mettez-vous tous en airdrop, là. Ouais. Ah, c'est la dernière satellite que j'ai. Le nombre d'hommes qu'il y a... Ils sont en train de sécuriser les caisses. Je pense que d'ici moins de 2 heures, ils auront évacué l'intégrale. Alors, ça va être très simple. Vous arrivez à vous rendre là-bas. Par vos propres moyens. Je pense que la nage, ça reste qu'il y a de plus sûr. Hein? Je pourrais vous mettre un sous-marin à disposition, mais j'ai aucune confiance en vos capacités de conduite là, à ce niveau-là. Attends, mais éclaire la photo. En gros, ce que t'entoures en bleu, c'est les gens? Tu crois que moi, je m'amuse à entourer en bleu des putains de photos? C'est des hommes qui bossent sur ça, man. Ouais, ouais, mais peu importe. En gros, peu importe qui est entouré, on s'en fout. Mais juste, ce qui est entouré en bleu, c'est quoi? C'est les gens du FBI, ça? Ouais. Ok. Il y en a peut-être plus. Il faut les caisses là au milieu, c'est ça? Ouais, exactement. Putain, il est futé lui. Hein. Ouais, c'est... Ok, et quoi, faut les tuer les mecs du FBI là-bas? Comment on fait? Bien sûr. Bah non, tu te présentes avec ta petite coupe de blondinette de mes deux couilles et tu leur dis, les man, hé, les spies, ils vont vous putain d'armes, donnez-les lui, hein? Tu crois que c'est un jeu? Tu crois que c'est un putain de jeu? Mais écoute, moi je suis pas expert en mission comme ça, c'est tout. Moi j'ai tout compris. Il faut que tu les abats jusqu'au dernier, aucune trace. On et vous brûlez pas tout. Vu, c'est ça? Ouais, exactement. Il faut aucun survivant, zéro. Moi, tu me dis on tire à vue, c'est juste que j'ai pas là. Mais attends, man, est-ce qu'il y a un putain de vous qui sait conduire un putain d'hélico? Je pense pas, hein? Si, si, moi, je sais. Putain de permis d'hélico? Ouais, hier j'ai. Ou avant-hier, je sais plus, non, c'est ça, c'est Liane, non? Et c'est pas l'air sur ton frérot là? Non, ouais. Enfin, j'ai appris, okay. Mais bon, c'est. En fait, j'ai acheté un joystick quand j'étais à la ferme. Et sur une simulation. C'est pareil ou pas? Tu veux m'envoyer au gouffre ou quoi là? Non, c'est bon, il sait faire. Enfin, je sais, LSP, t'inquiète pas. Non, par contre, si tu veux, on a un pilote. J'ai un pilote à ma disposition, si tu veux. Je peux l'appeler. Ouais, ramène le pilote, ouais. Ok, attends, je l'appelle, bouge pas. Tu le briefes, demande juste s'il est dispo. Après, c'est ton putain de dos, tu vois, avec lui. En gros, on doit prendre l'hélico, c'est ça? Allô? Ouais, Aziz? Tu vas bien, Aziz? Le plus simple pour votre évacuation, c'est de charger la cam dans l'hélico. Tu peux nous récupérer après, cargo, ou pas Bob. Ok. Mais c'est pour une mission un peu spéciale, Aziz. Hein. C'est bon? Ouais, en hélico, ouais, pour LSP. Mais vous passez pour des blaireaux, j'espère que vous le faites exprès. On aura besoin d'un pilote. Il faut que vous récupérez où, LSP? Je vous dirai, je vous déposerai quelque part. Vas-y, je te tiens au courant, Aziz. C'est bon? Vas-y, mon champion. Vas-y, je te tiens au courant. Messieurs, ma mission est très simple. Ouais. Vous arrivez là-bas, vous abattez tout le monde. Je vais vous donner des cocktails Molotov, vous me foutez le putain de feu à ces putains de corps. Ok? Je veux qu'on n'y voit plus rien, je veux qu'il reste plus rien. Vous chargez la cam dans le cargo Bob, vous fouillez les corps pour avoir les clés, et vous vous cassez. Et toi, avec ce putain d'hélico. Pendant ce temps-là, j'affrète un maximum de... Enfin, au moins un ou deux gars au nord pour aller récupérer la cam que vous allez me déposer. C'est clair? Ok. Cet hélico ne doit impérativement pas voler dans la zone du sud de la ville. Avec ce qui s'est passé avec les Russes, ils vous abonneront en moins de 2 minutes. Vous vous dirigez immédiatement vers le nord. Ok. Tu nous équipes là pour la mission? Je te passe un cocktail Molotov, dis-moi pas que t'as pas d'armes. Si, on a une arme, mais pour des mecs du FBI, on a un pistolet quoi. T'as que des pistolets? Bah ouais. Vas-y, je vais te fréter ce qu'il faut. Venez. T'es un bon, LSP, t'es un bon. Sont même au pistolet, on peut le faire hein, en vrai de vrai. Hein. Te dérange pas, LSP. Mais qui fait tout niquer. Non, c'est Liane, pistolet ça suffit hein. Ouais, mais bon, il nous reste putain de caisse. Ok. Faut que je fouille. Ok, je fouille. Je prends quoi, LSP? Je prends quoi? Dis-moi ce que je prends quoi. Prenez 10 molotovs chacun. Ouais. Et prenez-moi une putain de calache chacun avec que des munitions. Calache sont là. Ah, tiens, Derbois. Attends.
Eh, vous êtes sûr que vous pouvez arriver à deux là? Mais oui, facile, facile. Bah oui, normal. LSP, quand même, si tu nous as proposé, c'est que tu le sais qu'on va réussir. Hein, dis la vérité. Je vois, non, t'es un là, mec rempli pas... de fierté, attends, tout ça, mais tu sais, t'inquiète, t'inquiète, LSP. T'inquiète pas. Ok, ok, ok. Attends, je trouve pas trop la carte. Elle prend quelques dents en plus avec toi, man. Tu penses? Ouais. Quelques quoi? Attends, ok. Oh, si t'insistes, LSP, hein, mais bon. On va pas échouer, parce que si on échoue, et que je rate cette putain de cam, tu vois, je vais l'avoir en travers de la gorge. Tu manges quoi, LSP? Je grignote, là. Ça a l'air bon. Ok, tiens. Tiens, Arba. Attends, tiens les munitions. Attends, je te chuchote à l'oreille. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, mon frère. C'était cool. On improvise comme d'hab. Mais moi, dès que je mets un pied à Caillou, je vais, je tue Luna et je reviens. Pas les couilles des caisses. Et on va pas la Caillou, la bouffon. Ah, sur l'île. Je crois que c'est pas sur. Mais c'est pas sur Caillou. Ok, bon, je vais vous envoyer les coordonnées PGPS. Hein? Ouais. Vous me faites ça propre. Eh hey. Ouais, ouais, ouais. Vous comptez vous rendre comment sur le petit îlot? Bah en hélicoptère. Tu vas prendre un hélico pour aller là-bas? Non. Ils vont t'abattre, man. Attends, attends, reposez les armes, man. Reposez les armes. Vous êtes pas fait pour cette mission. Non, 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 t'inquiète pas, on va y aller, on va y aller. C'est pas ça, c'est... Là, 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 de suite, on va élaborer le plan, comme d'hab, on est des pros, c'est ce qu'on fait. Eh, il vous faut un bateau ou pas? Ouais, 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 il nous faut un bateau. Ouais, 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 il nous faut un bateau. Deux bateaux, okay, si possible. Ok, vous m'enverrez votre position, un de mes hommes vous enverra un bateau quand vous en aurez besoin. Ok, c'est bon, c'est bon. Eh, on peut avoir des gilets pare-balles peut-être, au cas où on se fait tirer? Prends, prends des gilets pare-balles, c'est dans la grosse caisse, là. Prends des pansements, hein, aussi, là, des trucs, là, des caisses de... Okay. Je sais pas, trousse de soins, je sais pas ce qu'ils ont. Attends, 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 je vais appeler mon... J'appelle mon ami Golucio, je vais voir si lui peut pas faire cette mission. Je vous sens pas du tout là. Si, si, t'inquiète mais pas. Non, t'inquiète, t'inquiète pas, LSP, on va la faire. LSP, ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est sûr. Certains, certains. On parle si on pas rate, magie, on nous te doit 5 millions. Voilà, la vie de ma mère, on te donnera 5 millions. T'as vu, LSP? Ok, okay. Là, on te devra 5 millions. Même 10, allez, 10, 10 millions. Allez, 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 on là. Y va. Ça va mieux? Ouais, c'est bon, merci. T'aimes bien quand je te fais des papouilles d'herbe? Ah, c'était lourd, je failli m'endormir. Ah. Parce qu'il y avait une gourde du brave aussi, c'est le mec qui abuse. C'est quoi? Une quoi? Une gourde du brave. Mais t'as pas les refs toi, non? Non, mais non, j'ai pas les refs moi. Moi là, si, mais le canon, ça, j'avais la ref, le. Chef, ça va? Récupère mon véhicule. Vas-y, vas-y, récupère. Quoi, oh, tu veux pas nous la prêter le... Tu nous prêtes pas le... ce véhicule là pour la mission? Ça peut être bien, non? Ouais, bougez pas, faut que je mette les tableaux, les gars. Ah oui, c'est vrai. C'est bon. Ok. On monte dans la voiture, c'est juste à côté, messieurs. Voilà, un peu plus par là, voilà, parfait. Là, je suis bien, là? On y est. C'est bon. Vas-y, t'es un bon, t'es un bon. Ouh. Allez, je vous laisse ici, messieurs. Tu peux m'enlever, champion? C'est ce qu'on dit, les apparences sont trompeuses, oui. L'habit ne fait pas le moine. Allez. Bon. Ok. J'ai un conseil à vous donner. Ouais. Faites attention, ils sont lourdement armés. Ok, ok, mais on dirait le conseil du mec qui dit, j'ai un conseil à vous faire, méfiez-vous. T'as la rêve ou pas? Attends, je l'ai pas, mais par contre, attends, parce qu'on sait toujours pas où c'est, hein. Il va vous envoyer la coordonnée par GPS. Préparez-vous déjà, prenez votre temps et réfléchissez à un plan d'attaque parfait. Et pour le bateau, ce sera sûrement moi qui le livrerai. Ok? Ok, ça marche, merci, t'es un bon, monsieur A. Ouais, pas de soucis, messieurs. Au revoir. Si vous croisez un terroriste, méfiez-vous. T'as pas, t'as jamais vu la vidéo? Elle est incroyable. Non, je te jure, je l'ai pas. C'est un vieux qui fait un tuto si tu croises un terroriste. Bref, je vais pas aller en claquette quand même, mais viens, on trouve des gens, non? Non, faut qu'on essaie des gens, mais ouais, mais frère, en fait, le truc qui me fait peur, c'est quand t'as trop de gens, ça part en couille souvent. En fait, il en faut juste deux de plus. Mais Idriss, il est où? Il est mort? Non, Idriss, il est malade. Ah. Oh, il est là.
Putain, vous êtes vraiment que deux bandes de cons, hein. Aidez-moi à décharger les esquilles à l'arrière pour moi, s'il vous plaît. Eh, on pourrait se servir du bateau pour Il faut qu'on décharge ce qu'il y a à l'arrière. Ah, c'est bon. Merci. Ah, on prend pas ce bateau-là. Si, on prend le bateau, moi je prends mon jet ski pour me casser. Eh ben on les rafale avec la mitrailleuse du bateau, non? Derba. Bonne chance, monsieur. Bonne chance. Bah vas-y, mais tu tires, c'est toi qui tires. C'est moi je tire. Ah ouais. Ouais mais attends parce qu'en fait. Non mais vas-y, on va se faire allumer, ils vont nous niquer. Viens, on y va, on se rapproche. Regarde, ce que je on y va, on se rapproche un tout petit peu et on nage. Non? Je peux même pas regarder de près dans la mitrailleuse. Oh ouais, viens, on y va, on se rapproche un peu et on y va à la nage, non? On y va à la nage et après quoi? On tire? Mais oh là. C'est quoi, regarde? Eh, écoute, je te dépose, quoi? Gère le bail, moi je t'attends là, tu me dis dès que c'est bon, je viens. Mais pourquoi? Mais fils de pute, tu étais. Attends, ben regarde. C'est à droite, frérot. C'est pas l'île. Ah ouais, là-bas c'est Caillot. Oh, c'est juste là? Oui, c'est juste là. Viens, on y va à la nage, on se rapproche un tout petit peu, on y va à la nage. Vas-y. Et après, oui, mais après, c'est quoi le plan? Quoi, on les abat direct, on les tue. Tue tous, extermination. Ouais. On est mort. Vas-y, c'est bon, c'est parti. Bader, mon frère, je t'aime. Bader, frère, c'est des FBI, frère. Ils savent, eux, ils savent se battre, nous, on sait pas. T'as déjà tiré avec une AK, toi? Non. Attends-moi. Pour se baisser, les gars, c'était quoi la touche? Je crois qu'ils nous ont vus. Non, je pense pas. Bader, on fait quoi? Y'a un mec là. Attends. Bader, on fait quoi? Je sais pas. Je te l'ai dit, fils de pute. Oh, regarde ce qu'on va faire. Viens, on y va, bien. Tu m'entends? Ouais, écoute, je les nique pour moi. Faut fumer les mecs qui cavalent en premier. Eux, ils bougent pas, c'est des fils de pute, on va les tuer. Mais le mec qui cavale, lui, ça va être le plus dur. Le mec qui cavale. Je vais les niquer les deux. Non. Tu m'entends? Non. D'abord eux. Non, oui, le mec qui cavale, c'est mieux, non? Vas-y. Non, justement. Attends. Tiens, vas-y. Oh,
je vais les contourner moi. Ta grand-mère, j'ai plus de gilet pare-balles. En fait, j'ai pas envie de tirer sur lui. Je les ai baisés. Je crois. Attends, crie pas vite, trop vite. Non, là. Oh, attends, c'est bon. C'est bon, je les ai baisés. Oh. Je crois. Attends, fais gaffe quand même. Oh mon dieu. Rendez-vous! Putain, toutes les armes, t'es où? On a réussi, hein, c'est bon? Ouais, je crois. Vas-y, on crame, viens, on crame. Ah c'est bon, il a brûlé. C'est bon ? C'est bon ? Comment on charge ça maintenant, frère ? Ah ouais, c'est vrai, faut charger ces merdes là. Eh oui. Caisse par caisse, non ? Attends. Vas-y, prends, mets-toi à l'arrière. Il y a plein d'armes là, on bloque. Regarde, prends ton téléphone, on bloque LSP, on est les plus armés de la ville. Ouais. Tu t'es fait toucher toi ou pas? Ouais, mon premier gilet, je l'ai perdu. Hein. Ouais, mon gilet. Putain, ils m'ont fait grave peur au début. Après, je les ai contournés par la droite. Et moi, quand je t'ai vu passer sur la droite, je passe sur la gauche, moi. T'es trop chaud, Bader, t'es trop chaud. T'en as eu combien? Moi, je crois 6. Ouais, moi, je crois 2. Ah, c'est ça, parce qu'ils étaient 8. Bien joué, Bader, bien joué. C'est bon, vas-y, viens. C'est conduire, t'es sûr, hein? Ouais, t'as. Moi, hier, j'ai voulu piloter un avion de chasse, frérot. C'est pas bien passé, hein. Y'a maman qui prie pour moi, donc normalement c'est bon. Je vais où là? À Caillot? Non. Non, pas à Caillot, tu vas où? Je sais, je rigole. Oh, on a réussi, putain, incroyable.
T'es même pas mort, Bader, je suis choqué. Parce que j'ai, comme on dit, la grinta. Ouais. Non, viens, je l'arrange la moto, que personne la prenne. Mais t'as refait une couleur, non? Ouais, le blond. Et regarde, cette moto là, regarde, celle-là. Elle est où? Celle-là. On ouais. La vend? Tesla, hey, c'est une dinguerie sa grand-mère. Tranquille? Si, ça va bien toi. Dis-moi, est-ce que tu cherches? Et j'ai regardé le catalogue, c'est ton ouais. Collègue qui m'a dit. Ouais. Et il y a une moto qui aimait bien avoir le prix. Laquelle? C'est la Zombie Bobber. La Zombie Bobber? Si. Bien, on va regarder ça, bien. C'est dans les importés? Non, dans les motos normales. Ah ouais? Dans les catalogues classiques. C'est ça, il faut que tu cherches zombie. Tu cherches zombie. C'est la Zombie Bobber en bas, tu vois. La Zombie Bobber. C'est ça, tu cherches zombie dans le catalogue, normalement tu devrais trouver. Elle s'appelle Zombie tout court ou Zombie Bobber? Si, elle s'appelle Zombie tout court dans ton catalogue, mais si tu regardes la référence, c'est Zombie Bobber. Zombie Bobber, ouais, c'est bon, je l'ai. T'es pas mal, combien de prix ou pas? Je te la fais à 40 000, mon frère. 40 000? Ouais. Je dois doubler le prix de l'ancienne consiste. Quoi, c'était combien? C'était 20 000. Non, pas non, 20 000, qu'est-ce que j'ai comme 20 000? Non, non, faut pas la vendre. Hein. Eh ben, dis-toi, elle a été bicrave à la mort, elle. Eh, je te la fais à 25, vas-y, 25. 25? Ouais. Allez, parle. Ouais, parce qu'il a vraiment une moto de clochard, lui, le pauvre. Hein. Ok, je te fais la facture. Tiens. Et je te donne les clés. Et voilà. Elle est à toi, mon petit loup. T'as payé la facture? Il faut qu'il y ait remettre des pesos sur mon compte. Fils de pute, tu viens sans paiement refusé? Non, non, regarde, regarde, mon pote. Je vais mettre de l'argent, je garde la moto en attendant. Vas-y, vas-y. Vas-y. Eh, par contre, t'as vu la moto? C'est un truc de fou. Mais elle a été vendue à la mort, Dakota, mais là. Mais frérot, j'ai touché les 300, là. 300 de quoi? 300 km/h. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Bah, elle a été vendue. Big Flow, hein. Des nouvelles sapes encore? T'es mon jean large. Nouvelle collection. Ah, mais toi, il est large ton jean. Hein. Ah, ouais, il est grave large, gorge. Sa mère. Ah, pas ça, toi. C'est culotté quand tu vas sucer. Ça se voit, t'es un bon petit fils. J'ai quoi, t'as dit? Culotté quand tu vas sucer les balles, c'est qu'après tu vas me voir. Ça se voit, t'es une petite chienne. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. J'étais en mission infiltration pour vous. Ouais. Par contre, ils sont en place, les balles, les gars. Je me méfierais là. Bah, les couilles. Je les baise. Oh, ils vous ont contacté, Caillou, ou pas? Non, pourquoi? On y était là tout à l'heure. Et ils vous ont jamais rien dit pour la cam? Non. C'est bizarre, les mecs du cartel. Arrête de mentir. Les mecs du cartel ou d'autres? Ah, oh là là, j'ai oublié de te dire un truc, c'était pour ça que je t'ai appelé hier, Boudère. Oh là 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 là, j'ai appris quelque chose, j'ai envie de vous tirer dessus. Y'a quoi? Comme ça, on parle mal de nous à autre chose, fils de pute, va. Hein? Attends, viens, on s'occupe du Yankee et... Allez, vas-y. C'est bon, il était payé. Très bien de quoi je parle. T'as payé la facture, c'est bon? Si, il était payé. Parfait. Bah, vas-y, la voiture, elle est à toi. Enfin, la moto. Fais attention, mets ton casque. Ok? Si, tu l'entretiens bien. Fais le contrôle technique avant. Il a pas été fait. Et un dernier truc bien important, nique ta mère avec. Ça marche. Arrête, demain, mon amigo. Allez. C'est un client. Ouais, mais de toute façon, y'a pas de concu, on s'en bat les couilles. Bref, vas-y. On t'écoute, Trix. Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce qu'il fait? Eh frère, je cherchais pas à savoir ce que je fais. Je suis là, je fais un truc, j'arrive plus à bouger pendant 15 secondes. Vas-y, enlève ton masque. Ouais. Tu vois, c'est qui, autre chose?
Ouais, ouais. Pourquoi vous avez mal parlé de nous là-bas? Vas-y, qu'est-ce qu'on a dit à Ochoa? Eh ben écoute-moi, un jour ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'est-ce que tu penses des frères Brabus? Ouais. Moi je leur ai dit écoute, c'est des gars carrés. J'ai hésité, hein. J'ai hésité, je me suis dit à l'ancienne, hein, c'était il y a deux semaines. Je devais ouais. Ça. Ils m'ont dit comment ils travaillent et tout. Moi je me suis dit vas-y, peut-être. Non, Abraham. Ça va découler sur un truc. Je vous ai complimenté, j'ai dit vous faites ci, vous faites ça. Etc, etc. Je t'en ai déjà parlé de ça. Eux, ouais. Ils m'ont dit qu'ils t'ont posé la question au même moment et que vous avez dit tout le contraire sur nous, qu'on n'était pas des gars sérieux, qu'on était. Vas-y, putes. Vas-y. Et imagine, je te dis qu'il m'a dit pareil sur toi, mais moi je suis même pas venu t'en parler. Bah imagine, moi il m'a dit la même chose sur toi, et je viens t'en parler. Ok, ok. Eh ben en gros t'as la réponse là. Mais il nous a dit pareil de toi. En fait en gros il y a un truc qui s'appelle diviser pour mieux régner, tu vois, et souvent ça marche. Ouais le problème c'est que ça marche pas avec moi, Céline. Tu te rappelles quand on était sur la plage et qu'ils nous ont dit ah mais machin truc, vous disiez ça. Peut-être malin mais pas plus que moi, essaye pas de me baiser comme ça, je sais très bien que ce que t'as dit sur nous. À ce moment-là, on était en embrouille, maintenant c'est comment? Bon, écoute, frérot, si jamais j'avais dit un truc, je t'aurais dit ouais, à l'époque j'ai dit ça, on était en embrouille. Là, je te dis, je l'ai pas dit, je me serais foutu ta gueule, sinon qu'est-ce que vous voulez? Les gars, excusez-moi de vous déranger. Ouais, ça va? Il y a un vendeur ici. Ouais, ouais, ouais. Ouais, attendez, s'il vous plaît, juste un peu là-bas, regardez là-bas, là, les petites chaises. Installez-vous, je vous ramène une serveuse qui vous ramène à boire et on arrive. Merci. Donc on fait quoi? Parce que même si c'était à l'époque, ça n'empêche pas que... Comment ça, on fait quoi? Je merci dis c'est pas Franklin vrai. Pour le 20e mois, bien quoi? Bah si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Sinon, je t'aurais regardé dans les yeux et je t'aurais dit ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'était à l'époque. Et là, c'est pas ça. Vrai. Ah oui. Et regarde, s'ils disent ça, c'est parce que là-bas, on leur a fait du sale, on a tout c'est niqué, on est banni de là-bas, ils veulent juste nous enfoncer. Et... Ouais, apparemment, vous êtes en embrouillé caillot, là, de ce qu'on m'a dit. On va leur baiser leur mère, ces fils de pute. Mais ils vous ont dit quoi d'autre? Ils vous ont dit quoi d'autre? Sur vous, pas grand chose, hein. Moi j'ai juste appris que vous étiez pas les bienvenus, quoi. Si j'ai bien compris. Oui, c'est pour ça, ils veulent juste ils veulent descendre, c'est tout. Ok, bah de toute façon, il y a même des mecs de là-bas qui sont même plus les bienvenus, donc en fait, c'est en train de se c'est diviser ça. Eux-mêmes là-bas. Donc j'en sais rien, mais bref, dans tous les cas, pourquoi tu m'appelles? Vas-y, parle, arrête. Vas-y, parle. Qui est banni de là-bas? Qui est pas je sais pas, skip les indigènes, ils sont en mauvaise entente avec le gouvernement, ça part en couille, je sais pas quoi. Eh ben bien fait pour eux ces fils de pute. Je sais pas, moi je m'en bats les couilles. Toi, eh bah Inch'Allah, la peste, le choléra et toutes les maladies du monde. Moi je devais baiser la princesse mais même elle m'a fait un coup de pute. Ah ouais? Ouais. Alors, on m'a dit qu'elle t'a promis beaucoup de choses mais que finalement elle t'a mis un couteau dans mais le dos. Non mais on se tournait autour, on se cherchait et tout et au dernier moment là, hier, elle m'a fait un coup de pute. Du coup j'ai bloqué son numéro et qu'elle allait se faire enculer maintenant. Et si elle vient ici, je la tue. Ok. Bah écoute, fais ce que t'as à faire. Hein. Bref, dans tous les cas, pourquoi tu m'appelais, man? Mais pour enfin, savoir si dire... jamais... Parce que tu viens pas me voir pour récupérer de la cam, du coup je me suis dit peut-être qu'il ouais, mais ces derniers jours, c'est un peu chaud. Ces derniers jours, c'est un peu chaud, mais on va t'en reprendre là, dans les prochains jours. On a de l'oseille. Si cela, vas-y, tu mais connais... Mais c'est bizarre qu'il vous ait pas parlé, qu'il vous ait pas dit ouais, nanana. De qui? Bah, de la cam. Les mecs des cartels et tout, là. Ouais. Moi, ils m'ont attrapé la première fois que je suis allé sur Caio, là, quand vous nous avez emmenés. Ouais. Ils m'ont dit ouais, blablabla... Quand tu nous mets à genoux, etc. Enfin bref. Ouais, moi, je me suis expliqué convenablement. Je leur ai dit, écoute, nous, pour le moment, ça nous va d'avoir des intermédiaires. Si un jour, ça nous va pas, je te ramènerai leur tête coupée devant toi. Et de toute façon, on a été clairs ensemble. Je vous ai dit que si vous étiez pas sérieux dans le business, ce serait moi qui vous baiserais. Maintenant, pour le moment, vous êtes sérieux dans le business, donc je vois aucune raison de partir en couille. Pour le moment, vous avez prouvé que vous êtes capable de tenir ce business. T'aimes les hommes, Tricks? Et voilà. Grave. Ok. J'ai l'impression que t'as tout le temps cette manie merci de vouloir poser prime. Tes couilles sur le visage des gens. C'est bon, on a compris. Oh, t'es oldie, non, mais je te dis juste, je te le rappelle. Petite piqûre de rappel, on est d'accord. Oui, mais c'est bon, tu me le rappelles. Moi, tu me rappelles matin, midi et soir. J'écoutais même pas. Il a dit quoi? Il nous a menacé sur quoi? Je suis pas sérieux dans le business. Tu me baiseras si toi t'es pas sérieux, je te baiserai. Oubliez pas d'où vous venez. Nous, si jamais tu fais de la merde, on vous baise. Ta mère, je suis l'ancien. Je te dis juste que voilà, vous avez été sérieux dans le business. Pour le moment, il y a aucune raison d'aller travailler avec eux. Regarde ce que j'ai entendu. Des grosses couilles, moi. Par contre, ils m'ont dit le tarif à laquelle vous la touchez et j'aimerais que la marge descende. Et ils t'ont dit qu'on la touche à combien? Mais c'est qui a parlé? Mais on va leur baiser leur grand-mère à eux. C'est qui ça? C'est qui a parlé? Attends. 600 balles, je crois. Ochoa? 100 dollars. Non, mais non, le cartel. Ah ouais? Ouais, ils m'ont dit que vous la touchez à 600. Jamais toi, tu m'as dit que tu la touchais à 700. 700, ouais. Ok, bon, bah, peut-être qu'ils ont essayé de me. De jouer bah, avec dis-leur, moi, bah, dis-leur, vas-y, vendez-la moi 600. Tu vas voir? Ils vont te dire non, on descend pas en 700. Et j'ai essayé.
ensemble ou on est ennemis? Si tu veux, on se fait la guerre, on se fait la non, guerre. Non, moi j'ai confiance en vous. Maintenant, je te dis juste que. Non, parce que. Eux parce là-bas, que ils coup, essayent de vous faire passer un coup, pour un compte. Un coup, t'es là, oui, on les a pas vus, je sais pas quoi. Un coup, t'es là, ils t'ont donné le tarot, ils t'ont donné qui, quand, comment. Faut savoir, mon ref. T'es pas cohérent dans ton discours là. Métrique, c'est Ochoa ou le cartel qui t'ont dit ça? Dis la vérité. C'est le cartel. Non, Ochoa, il m'a jamais parlé de c'est drogue. C'est pas possible, il m'a juste c'est faux, c'est faux, c'est pas possible. Ça date, hein. Ça date de fou, hein. C'était quelques jours après la première livraison que vous nous avez donnée. Ça date de fou. Ochoa, je lui ai parlé hier. Le Ochoa, je l'ai vu hier. Il m'a juste dit que vous avez dit qu'on n'était pas sérieux. Et que nous, par nos actes, on a prouvé qu'on était sérieux. Et que vous, au contraire, vous ne l'étiez pas. Donc, que vous êtes plus les bienvenus sur Kaio. C'est ce qu'il m'a dit hier, très clairement. Et des fils de pute. C'est pas possible, parce que le cartel, ils s'en battent les couilles de nous, qu'on soit banni ou pas là-bas. Moi, je m'en bats les couilles de Kaio, frère. Ça y est, déjà, il y a assez de gens qui sont sur LS, j'en ai marre. Toi aussi, t'aimes pas Kaio? Si, j'aime bien, mais juste pour, vas-y, passer des soirées. Tu vas là-bas, tu fais des soirées avec qui? Raconte un peu, là, t'as vu? Je sais pas, des meufs. Quelle meuf, fils de pute, quelle meuf? Toutes les meufs sur lesquelles vous essayez de passer mais qui vous recalent, sache-le. Mais y'a aucune qui vous a recalé, toi, t'es au courant. Gabi, Luna, Selena, Angela. La vie de ma mère, elle nous court après. La tête de moi, mais nous tout dit qu'elles vous ont recalé. Ça va, en fait, je t'explique. Regarde. Elles n'assument pas qu'elles nous kiffent, tu vois ce que je veux dire. Luna, elle était amoureuse de Derba, sauf qu'il l'a quitté, elle a pris le seum et du coup, elle a poussé avec du coup, on lui a rasé la tête. Regarde la princesse. Non, c'est Gabi qui t'a rasé la tête. Non, Luna, enfin oui, ça c'est notre histoire, Gabi. Mais on lui a pas rasé la tête à Luna, mais en gros, Luna elle a pris le seum, elle a poucave Derba. Get la princesse, elle m'envoyait des snaps, elle me disait ouais, machin truc et tout, elle me faisait des petites disquettes. Et là, c'est moi, j'ai mais bloqué même son moi, numéro. Elle me fait des disquettes maintenant. Regarde, c'est moi, j'ai bloqué son num. Et Gabi, c'est la seule. Regarde là, attends. Regarde. Non, ce n'est pas le cas, je t'ai tout expliqué. Il faut que je te redonne encore une fois toutes les explications pour enfin que tu comprennes. Ou alors tu ne veux rien savoir. Ensuite, elle me dit, appelle-moi quand tu voudras en parler. Eh ouais, Trix, nous là-bas, on a la cote, nous les rebeux. Elle kiffe les meufs de Kaio, elle kiffe les petits DZ, loup. Frérot, toi-même tu sais, petit Renoir, contour 13, on arrive. Oh là, toutes les meufs à nous. Ton gros gilet, ton gros baggy. Oui, mais il y a des tarifs, ton ensemble de pyjama. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des Renoirs à Kaio déjà, alors que des rebeux, il n'y en a pas. On est inédits, nous. Les Renoirs en question de Kaio, c'est des. Ils ont de l'encre sur leurs habits. Ah oui, frère, ils dégoûtent. Ouais, vous dites quoi les meufs là-bas? Racontez un peu. Chape, moi, dis-toi, la princesse, toute la nuit on a parlé, pendant 3 heures on était sur un banc, main sur la cuisse, petit wad entre l'abricot. Oh, arrête de mentir. Attends, j'appelle le président, je vais pour caf que t'as mis des wads à sa fille, attends, je suis dans la merde. Non, mais vas-y, moi, Kaio, j'y vais juste passer des soirées. Ça y est. Moi, je te dis, venez, on boycott. Venez, on n'y va plus, faut vraiment qu'on fasse un boycott, je te parle sérieux. Frère, je te jure, ça fait passer le temps. En fait, quand t'es pas aussi impliqué que nous, c'est là, c'est impossible. Y'a trop de meufs, ouais. Tu peux pas retenir les gens. Ouais, vrai, même vrai, nous, on a envie d'aller. Y'a trop de putain. Meufs, moi, je peux pas tourner ma veste contre Kaio. Mais moi, en vrai, je vais guédra Selena, je crois. T'as pas son dub? Selena, elle est fraîche. T'as pas son dub? Vas-y, Shaq, t'as son dub, non? T'as son dub, Shaq? Attends, je vais voir. Donne-moi, c'est la dernière meuf qu'on a pas essayé de gérer derrière moi. Une des seules meufs qui nous ont pas recal. Après, il reste que des indigènes sinon. Mais elles nous ont pas recal, arrête de dire ça, frère. Sinon, il reste que des indigènes. Moi, après, moi, t'as vu, moi, je parle en connaissance moi, de Luna, parler, moyen. Je dis, ouais, c'est des bolos, ça, c'est des forceurs. Pas les couilles, malgré elle, elle m'a mis un couteau dans le dos, mais on va se marier. La vie de ma mère, je vais lui faire des enfants à elle. Céline, elle m'a dit, t'as de la drague lourde. Elle m'a dit, j'ai pas ça. Oh, tu sais qu'elle m'avait dit pareil, elle m'avait dit pareil sur Ezekiel. Oui, moi aussi, elle m'a dit la même chose. C'est quoi de la drague lourde? Mais après, Ezekiel, bon. Oui, bah en fait, c'est le mytho parce que moi, elle est venue voir, elle m'a dit, ouais, contrairement à Ezekiel, toi, tu fais pas de la drague lourde, t'es tranquille, tu vois. Ça veut dire c'est ça que j'aime pas, c'est une bonne en fait. Ouais, elle m'a dit la même chose. Arrête. Grave bizarre. Elle m'a dit, par rapport à Céline, je fais pas de la drague lourde. Mais en fait, c'est. Non, mais moi, t'as vu ça. Ah là là. Je sais pas, moi. Elle nous manipule, ils nous manipulent, les meufs de Kaio en fait. Moi, vas-y, je crois ça va. C'est bon, arrête de mentir, Shaq, t'as le numéro de Selena. Bon, c'est 0442, vas-y, prends. T'es un bon. C'est 888 ou 555? 555. Attends. Ah, si, j'ai peut-être la ref. Attends, Belek, bon, je suis déjà dedans, hein. T'as dit quoi? Je suis déjà dedans. P. Derrière les buissons là-bas, là, je peux tirer, je peux pas.
Eh, prends-moi une moto, Céliane, et donne-la à moi. Céliane, il a la ref. Tu prends quoi? MT-07. Dans les apportés. Dans les apportés? Ouais. Obligé de la ref, Céliane. Bien sûr, il a la ref, ce bâtard de. Tiens. Il m'a tué. Et tu peux le faire tout seul, hein? Ah ouais? Bah, j'ai. Descends. Bah, je crois. Descends. Bien vu. Vas-y, mon derrière. Oh là là. Eh, nouvelle non, acquisition, les gars. Tu kiffes? Ouais, bah, pas mal, pas mal. On te freine pas, plus ça. Je me suis carqué. Vous voulez pas organiser un truc là? On s'ennuie trop, sa grand-mère, j'en ai marre. Non, non, moi je veux juste me casser et faire autre chose, frérot. C'est toi aussi. Va te faire enculer. C'est faire que ça. Alors là, ce qu'on est. Comment ça, c'est faire que ça? Quand t'as rien à faire, faut savoir partir, frérot. Mais comment ça? Mais espèce de matrixé de merde. Non, on va déjà Minecraft. Comment ça, partir? On va déjà Minecraft. Ah, j'ai compris. Là, y'a un truc là qui se passe là. Je suis déjà mort une fois ici, je vais pas remourir. Je sais pas, j'allais sortir une vanne, mais j'ai plus l'inspi, j'ai pas la suite. Il se passe rien du tout. Comme il a dit, attends. Ah là, il est content. Nous de la ville, on a fait le tour. Le vendeur de guitare, on arrose tous les jours. Là où Khali Boyos m'entoure. Je vais finir en prison sans les revoir un jour. Là où Khali Boyos m'entoure. Je vais finir en prison sans les revoir un jour.